Avant que Léa Salamé et Yann Moix vous posent d'autres questions, Zazie, reviennent sur cet album qu'ils nous ont dit trouver très réussi, puisque maintenant vous êtes la chouchoute des Français, aussi grâce à l'émission The Voice. Eh bien, des voix, vous allez en entendre maintenant, cher Zazie, grâce à Marc-Antoine Lebré qui nous rejoint. Bonsoir, on s'installe, on monte le son. Sept candidats. Le jeu. On salue les dom-toms. Stop, je suis une auteure, compositrice, interprète, extrêmement talentueuse. Invitée dans On n'est pas couché ce soir, je suis... Zazie. Qui ça? Zazie. J'ai pas entendu. Zazie. Une dernière fois? Zazie. Quatre à la suite. Quatre à la suite pour Laurent. Wouh, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Wouh, Laurent. Vous gagnez une encyclopédie des meilleurs emplacements de camping-car en Indre-et-Loire entre 1986 et 1989. Il est merci. Content, il est content, mon Laurent. Merci, ouh Julien, merci beaucoup. Bon, Zazie et moi, on a le même parcours. Hein. Bah, on a tout gagné dans notre carrière et après, on est devenu coach. Bon, j'ai jamais joué avec Zazie, mais j'ai joué avec Zizou. D'ailleurs, tu en penses quoi de Zazie Zizou? Bonsoir. Non, mais je pense que... Enfin, c'est... D'accord, c'est non, mais... D'accord, c'est... Zazie. Et que l'important, c'est qu'on est avec... Zizou. Donc, je crois que c'est clair. Salut, c'est Kev Adams, le mec qui a 17 ans depuis 5 ans. Tu vas bien? Tu vas bien? Je sais pas si vous avez remarqué, mais Zazie, ça fait Zaz-i. C'est comme Zaz, avec un truc en plus. Ouais, du shampoing. Bim, la vanne! Ça va grave liker sur Facebook. Bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. Deux sushis pas trop cuits, une soupe miso à emporter. Ok, Zazie, elle est géniale. Genius, parce qu'elle a chanté Rodéo, c'est la vie, pas le paradis. Ok, radis noir, noir sur blanc, blanc d'œuf, œuf à cheval. Rodéo, eh ouais, vous avez entendu? Oui, oui, bien compris. Certainement oui. Un muet qui a crié. Ok, qu'est-ce que je disais? La drogue, c'est mal, j'aime la vie. Hé, hey, Zazie, ma petite beauté, ça va, chérie? Ça va? Ah, ah, ils sont tous venus, hein. Ça va, toi, maman? Oui, ça va très bien. Ça va, merci, Cyril. Hey, Zazie, t'as demandé à François Hollande d'accueillir des migrants à l'Elysée. Et le gars a refusé. En même temps, je comprends. Et moi non plus, j'ai pas pu en accueillir. Bah, attends. Et des gens qui parlent mal français et dont personne ne veut, j'ai déjà les chroniqueurs ne touchent pas mon poste. Oh, salut à tous. Ouh là là. Zazie, c'est le talent, l'engagement, l'impertinence. Mais en fait, Zazie, c'est tout ce qu'on a plus à Canal+. Ouh. Bienvenue. Il faut savoir que c'est grâce aux chansons que Zazie a écrites que la carrière de Christophe Willem a décollé. Et puis, quand elle a arrêté, sa carrière a fait comme un vol de la Malaysian Airlines. On rigole, on embrasse Christophe, même si on ne sait pas où il est. Ah si, je l'ai vu cette semaine, moi. Je le salue, d'ailleurs. Coucou tout le monde. Hein? Oh, c'est bien. Vas-y, vas-y. Ah, très joli. Oh là là, c'est bien. Zazie, elle est auteure, compositrice, interprète, mannequin, actrice. Faut pas s'étonner qu'il y a autant de chômage en France, il y en a qu'en 5 boulots. Hein. Eh, cool, cool, hein. Salut, c'est Nikos. Salade, tomate, oignon, aliagas. J'ai énormément d'affection pour Zazie, ma complice dans The Voice, une émission dans laquelle on retrouve d'un côté de très grands artistes et de l'autre... Jennifer. Elle y sera plus. Bisous, Jennifer. Alors moi, c'est super clair. Zazie, c'est un peu comme Air France. Quand je l'entends, je plane. Et quand je la vois, j'ai envie de lui arracher son chemisier. Non, je voulais juste te dire à Zazie, te laisse pas mettre en garde à vue par l'adjudant Wax. Ma chère Zazie Oh non. Attention, hein. Vous étiez juge à The Voice. Oh non. Aussi dans la troupe des enfoirés. Du coup, ça a dû vous faire bizarre de revoir les candidats de The Voice venir un mois plus tard manger au Resto du Cœur, non? Oh.
tirerait pas. Allez, on passe maintenant à votre album Encore Heureux. Et on va demander à Yann Moix ce qu'il en a pensé. On vous écoute, Yann. Ah. Alors, Zazie, le choix du titre de votre album Encore Heureux est extrêmement intéressant, car... Beaucoup plus ressemblant que l'imitation précédente. Je vous remercie, Laurent. En araméen antique, encore se dit Raarch et heureux se dit Esbirar. Or, et vous allez voir, c'est extrêmement drôle. Quand on relit les deux mots et qu'on les traduit en allemand, on obtient le mot Entgegenkommend, qui signifie sympathique. Car, que nous dit Lévinas? Que la sympathie n'est pas une affection naturelle sur laquelle on peut fonder une morale du sentiment. Donc, la question qui se pose, Zazie, elle est évidente et elle est simple. Comment vous est venu ce choix de ce pantalon? Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray, un festival de voix. Bravo Marc-Antoine. Ça fait du bien, ça détend, hein.